Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 du jeu de survie Hardcore Subsistence, qui est un jeu en accès anticipé, donc qui n'est pas finalisé. Et on va donc passer à l'épisode 7. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien juste en dessous. On va donc continuer la partie en espérant qu'on ne va pas trop mourir. Je suis toujours donc en partie mode simple. J'ai donc toujours les chasseurs qui sont désactivés. Je suis en train de tester de mon côté sur une partie ce que ça donne avec les chasseurs pour pouvoir vous le montrer. Et puis, quand je serai au point, je vous montrerai ça. Mais pour l'instant, on va reprendre notre partie qu'on joue ensemble donc. Et j'ai toujours désactivé la sauvegarde automatique et je sauvegarde toujours avec la touche F8. Donc on est parti pour le jeu Subsistance. Alors c'est vrai que c'est un jeu où on peut pas trop discuter avec les dans le chat parce qu'on doit être à l'affût des prédateurs, c'est-à-dire des loups, des ours, des jaguars et quand il y a des chasseurs. Le moindre bruit est important, donc les graphismes sont magnifiques, voilà, mais bon, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, vous verrez les premiers épisodes où je vous explique comment on y joue, ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais sur ce, on va attaquer, parce qu'après j'irai manger, voilà. Et je reviendrai un petit peu plus tard, mais ce sera sur du Stranded Deep, comme d'habitude, parce que ça me relaxe avant d'aller faire dodo. Voilà, donc on est parti. Alors, je peux pas trop baisser le son. Pourquoi? Parce que les prédateurs, les loups, les ours, grognent. Donc, si je les entends pas grogner, je vais me faire bouffer. Donc, je suis morte. Et puis, le loup qui va me tuer ou l'ours qui va me tuer va prendre un level. Et comme je dis, depuis le début, j'ai un problème. Je ne vois pas le level des animaux. Donc, pour l'instant, on essaye de trouver une solution. J'ai contacté le créateur. On est en train de voir ça. Donc je peux pas pour l'instant, voilà, je vois pas les levels et c'est un gros problème pour moi. Donc je pense que notre partie c'est bien celle-ci, on est morte qu'une fois. On va continuer, je vais vous dire de suite si c'est la bonne, sinon on basculera sur l'autre partie. Mais il me semble que c'est celle-ci. On va voir ça tout de suite. Donc la petite astuce hein, que je vous avais donnée pour ceux qui débutent le jeu, qui ne sont pas en coop, qui jouent en solo, désactivez franchement la sauvegarde automatique et sauvegardez votre partie avec la touche F8. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple parce que la sauvegarde automatique sauvegarde toutes les 5, 10 ou 15 minutes et pas toujours au moment où vous auriez envie. Donc là, voilà. Moi, je vous conseille plutôt de la désactiver et de mettre la sauvegarde vous quand vous en avez besoin. Voilà. Donc, que je me rappelle parce que bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre là? Donc, il faut que je remplisse mon eau déjà. Hop. Toc, 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 toc. On a de quoi se faire des munitions. On en a combien? On en a 10. Ouais. Le problème, c'est que si on meurt, on a une chance sur deux de perdre le flingue. Donc, c'est un peu chiant. Il me semblait que j'avais fait un autre coffre. Non? Oui. J'avais mis quoi là-dedans? Je sais pas. F. De toute façon, c'est la nuit. Ouais, les graines et le flingue. D'accord. Ok. Alors, au niveau de mes protéines, mes fruits et légumes et mon eau, je suis pas trop mal. Donc attention dans ce jeu, même si vous avez vos fruits et légumes qui sont à fond, mais que votre barre de protéines est en rouge, vous allez mourir de malnutrition. Voilà, donc attention à ça. Ce jeu ne fait pas de cadeaux. Ah oui, il y a une chose que j'ai oubliée, super importante. Voilà, excusez-moi, hop, interdit au moins de 18 ans. Je sais, c'est pas un jeu non plus... super hardcore, il n'y a pas de sang partout, bon machin. Mais c'est un jeu interdit 18 ans, donc je me dois de le marquer. Ça m'évitera d'avoir des problèmes. Allez, on continue. Il fait toujours nuit, oui. Alors, au niveau du feu, on est comment F.
Bon, on va en rajouter un petit peu. Hop. Voilà. Donc, il va falloir qu'on coupe du bois. Au niveau de la base. Qu'est-ce qu'il me fait? Tu rames, ma pépère. Il nous manque deux toits. Donc, il va nous falloir du bois. Ah, le jour se lève. Nickel. Hop, on va sortir. La moitié, ouais, la pizza, sûr. Donc, alors il faut que je me refasse un autre bloc d'énergie là, un bloc de masse, sinon je vais pas pouvoir avancer. Donc le but c'est de récolter un maximum de matériel pour pouvoir monter. Déjà, il faudrait qu'on soit sur le générateur. Je pense que j'ai assez pour le faire, mais je voudrais faire la masse d'abord. Je sais pas si c'est une bonne idée. On verra ça quand il fait nuit. Vaut mieux bulder la nuit et la journée récolter un max de trucs. Donc là, on va se remplir notre bouteille d'eau. Voilà, on va la mettre. Je tourne ma souris lentement. Hop. Je vais la mettre dans le feu parce que sinon je n'ai pas d'eau pour boire et c'est pas bon. On va fermer la porte. Sinon, si j'ai besoin d'eau, ça va pas le faire. Alors, on a 13 flèches, on a notre arc. Donc on va encore manger du poulet. Hein. Pas avoir le choix. Poulet ou lapin, peu importe. Et là, on a quoi? On a quand même des barres de céréales en aide. On pourrait tenter de se tuer un loup, mais bon. On peut tenter. Est-ce que je peux faire des balles? J'aimerais bien les garder pour le fusil à pompe. J'en ai 9. Le fusil à pompe, il faut quoi pour le crafter? Le shotgun. Non, faut vraiment que j'aille manger. Je commence à être à un jaune. Donc, faut vraiment que j'aille tuer du poulet. Ou du lapin. Mon eau est bonne. Donc, ça va. On va se la mettre là. Allez, go. On est parti. Je pense pas que c'est intéressant qu'on referme la porte derrière nous. Quand il y a les chasseurs, oui, par contre, hein, si vous activez les chasseurs. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un lapin là-bas. On a un ours à gauche. Alors, on doit récolter du bois. On a un loup aussi, en fait. J'avais pas vu ça. Merde, le lapin, il s'est barré. Troisième. Voilà. Il faut vraiment qu'on mange. Alors, on a une caisse ici. Je crois qu'on a un poulet sur la gauche. Nickel. Non, c'est un morceau de ferraille. Fausse joie. Ok. Bon, faut vraiment qu'on trouve un lapin ou un poulet assez rapidement. Il y a des myrtilles ici. Non, c'est des fibres. Non, non, des blueberries. Ok. Alors. Une petite poule, s'il vous plaît, c'est possible. Hein.
On a une autre caisse d'armes là. Une poule, je veux une poule, une poule ou un lapin. Y a pas, hein. Les jours passent très très vite, hein, donc on n'a pas bouffé toutes les poules quand même. Tu vas me faire pop des poules là. Poule, lapin, je m'en fous, mais. Je fasse gaffe au loup à droite. S'il y est toujours, parce que ça pop, ça dépop. Non, le loup est toujours là. Tu m'as pas vu? Je suis pas là. Non, non, je suis pas là. Hop. On va faire gaffe à l'ours aussi. Qui est là? Là. J'entends une cocotte. Elle est où? Non mais montre-toi, j'ai pas beaucoup de temps pour te tuer quoi. Envie de trop m'éloigner de la base parce qu'il faut que je mange vite. À défaut, si j'ai pas le choix, ben on prendra le flingue et on se. Oh putain, il y en a deux ours. Waouh. C'est compliqué l'affaire là. Il faut vraiment manger. Hein. À la limite, j'ai les barres de protéines, mais bon, ça m'embête de les utiliser pour ça. L'ours il est où là-bas? Ça va. Ils ont tout bouffé, ils ont bouffé toutes les poules et tous les machins. Non. Alors. Oh la vache. Il n'y a pas une poule, il n'y a pas un lapin. Hein. Il y a un lapin. Ah. Ah non, mes touches se sont barrées. Putain, la configuration de mes touches ont bougé. Je suis pas planqué, il va me voir, c'est mort. Arrête-toi. Ok. Ça en fait un. Non, non, non. Oh non, j'ai pas l'ours au cul. Si, j'ai l'ours au cul.
J'ai bouffé son lapin. On va pas se retourner pour garder. Hein. Désolé. Il m'a lâché. Ouais, il m'a lâché. Alors, on a une caisse ici. Ok. Mais pas trop mal, on peut peut-être se choper une poule encore. Une caisse là. Ça devient urgent de manger là. Les poules, vous êtes où? Ah, ici on a une poupoule. On n'a pas un loup, un ours, un truc comme ça. J'ai rêvé la poule. Ou elle a des pop? Non, elle est bien là. Non, c'est pas une poule, c'est un lapin. Pourquoi je m'accroupis pas? Ah, alors, échappe. Hein. Option. Contrôle. Sprint. Spacebar. Jump. Crouch. Est-ce que c'est pas... On va tester. Échappe. Oui, voilà. La touche s'était désactivée. Donc deux lapins, si c'est le cas, si on arrive à la voir. Et bien entendu qu'on va les manger tout de suite. Hein. Merde, raté. On récupère notre flèche. Quand tu veux. On est comment là? Oh là là, ça pue. Le lapin, on va essayer de le choper là-bas. Les poules sont beaucoup plus simples à avoir. Hein. Faut être honnête. Hein. Il arrive. On lâche. Ok. Donc on va foncer à la base. On va aller manger le lapin. Les deux lapins. On go. On regarde en même temps si on n'a pas du varech autour de nous. Je crois qu'on va avoir un temps de merde. Vu le ciel, c'est pas bon. Alors on ferme la porte. Alors. Il est même plus en français mon truc. Il y a peut-être une mise à jour, je sais pas. Il faudra que je regarde. Alors, on va rajouter du fuel. On va diviser en deux. Spidal. Putain, pourquoi le jeu est pas en français là? C'est quoi ce bazar? Merci. Chapin. Division 2. Hop. Hop. On va boire un coup en attendant que ça cuise. Il faut qu'on mange aussi ça. Manger.
mais pas trop mal. Faut qu'on boive. Ok, on attend que nos deux lapins soient cuits et je pense qu'on sera bon. Donc en attendant, on va ranger la peau avec les autres. Hop, on a chopé des balles. Ici, on en a chopé aussi. Des fibres. On en a. Hop, des clous. Ok. On a besoin de bois. Allez, c'est cuit. Hop. Hein? Endurance max augmentée. Yes! On est monté d'un level. On va manger le dernier cranberries. Voilà. Et on fait F8. Hop, on sauvegarde. Partie sauvegardée. Allez, on est reparti. Alors, F. Je laisse ma porte ouverte. Satin. Que je remplisse ma bouteille d'eau. On va avoir un temps de merde, je crois. Ben oui, il pleut. Ici, on a le loup, on a l'ours. Pas de varech en vue. Pas d'algues. Bon, il y avait une caisse à la dépop, évidemment. Il va nous falloir du bois. Pas de prédateur en vue. Ah, une cocotte. Ah, là-bas, il y a une caisse. Caisse de construction. Bon, on va couper de l'arbre parce qu'il nous en faut. Ne serait-ce que pour alimenter le feu ou pour continuer à construire la base, il nous faut du bois. Donc si entre deux on chope des poulettes, tant mieux. Ok. J'entends la poule, mais je la vois pas, quoi. Alors, j'ai plus de fruits, j'ai plus de légumes et j'ai plus de viande, hein. Tout va bien. Et si j'ai du fer? Mais c'est pas avec ça que je vais manger. Dans cet arbre, il y
Elle est verte, donc ça sera déjà ça. Comment on est? Bon, ça va. On n'est pas trop mal. Donc, on va faire F8. Hein, tant qu'on peut. Faut pas gêner. Ici, il y a quoi? Voilà, c'est des fibres. Là-bas. Toujours des fibres. On va s'éloigner un peu de la base. Hein. Salut Azerty. Tu me dis quoi? Peux-tu faire une dédicace à Rusten le Gros, s'il te plaît? Une dédicace, ben. Grosse dédicace à Rusten le Gros. Plein de bisous, je sais pas, je le connais pas, donc. Ben ça y est, je viens d'en faire une. Je suis pas une star, moi, hein, pour faire des dédicaces. Mais bon, je lui en ai fait une. Première fois qu'on me demande ça. Bon, faut bien une première. Alors, est-ce qu'on va trouver... Oh là 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 là, il n'y a rien par là, quoi. On me tapait un loup dans la gueule, là. Allez, il me faut une poule ou un lapin ou un truc comme ça, quoi. On n'a pas de... C'est des fibres, hein. Hop là. J'ai vu une caisse, mais ça a des pop. Par contre, un loup à pop. Bon, on repart dans l'autre sens. Je crois que la nuit va pas tarder à tomber. Et j'ai rien à manger. Ouais. La mort est proche. On a une caisse là, mais c'est construction, d'après ce que je vois de loin, ça m'a l'air d'être une caisse construction, correct. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal au niveau bouffe. Hein. On s'est bien rempli tout à l'heure. On a une poule là.
On va s'accroupir. Et on va y aller mollo. Il nous faudrait au moins deux poules et des légumes. Et ça, c'est plus compliqué, à part le varech. Peut-être on peut trouver dans l'étang. Ah putain, ça se met dans les grandes herbes. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Allez, arrête-toi. Pêche-toi. Elle va aller se foutre dans les pattes de l'ours, ce con. Non. On l'a vu. Ok. On aura de la poule au moins. Alors, si on pouvait en choper une autre, ça serait extraordinaire. Et surtout des fruits et des légumes. Là, il n'y a rien. Il y a une caisse là-bas. Ouais, pas l'air de voir de prédateurs. Je dis bien, il n'y a pas l'air. Ça peut pop hein, n'importe comment, n'importe où. Salut Lola, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Bon, là, pour l'instant, j'ai pas de prédateurs. Donc, hein. Allez, donne-moi des fruits et des légumes. Que dalle. La queue du chat. Alors. Est-il possible d'avoir une autre poule? C'est possible. Je demande juste. Ah, on en a un sur le rocher là. Même pas de poule, mais de sac. Pas de loup ni d'ours. Ça va, merci. Ça va, ça va. On essaye de survivre. Comme on peut. Tu connais ce jeu hein? On a un légume. On a une autre caisse là-bas. Alors, ouais, mais la nuit va tomber. J'ai intérêt à manier. J'espère que la poule va tenir le choc dans l'inventaire, qu'elle va pas se pourrir. Par contre, j'ai pas beaucoup de fruits et de légumes. On a deux fruits. Il nous faudrait une autre petite poule. On peut pas avoir une autre petite poule, hein? S'il vous plaît, une petite poule. Un petit lapin. On va attendre d'avoir le gros pistolet pour les ours et les loups. Putain, il nous faut du bois aussi, j'en ai pas pris beaucoup. Papam. Ici que je me méfie. Non. Ben, ça court pas les rues le poule hein. Ni les carottes ni les légumes hein. Bon, il nous faut du bois, donc on va taper du bois en attendant. Hop. Ne pas effrayer les poules, hein. D'ailleurs, on va la buter parce qu'elle est vivante. Hop. Crac. Et on va découper. Comme ça, on n'aura plus qu'à la faire cuire.
On est bien encore, donc ça va. Là-bas, on a un loup. Donc, non. Et il commence à faire nuit. Bon, on n'a qu'une poule à se mettre sous là-dedans. C'est pas génial, génial. Alors, on va peut-être avoir des fruits, là. Si, non, c'est des fibres. Il n'y a rien, là. On a une caisse, là. Sans prédateur. Ce serait bien. Pas l'air. Je sais qu'il y a un loup à gauche, mais il est loin de la caisse. Faire gaffe quand même. Ok. On n'a pas une petite poule avant qu'il fasse nuit là? Bien qu'il fait déjà nuit. Non. Bon, on va aller à la base. On a quoi là? Rien. Est-ce qu'on pourrait choper un ou deux varecs, hein? Enfin, ça reste des légumes. Non, il n'y en a pas. Oh là là, le temps qu'il va faire. Ok. Allez, hop. Il fait nuit. Donc, on va fermer la porte. Ici. On va rajouter du carburant. On va faire cuire notre poulet, notre eau. On va manger les deux petites cranberries qu'on a. On va sauvegarder. Ouais, donc comme je vous disais, si la petite astuce, vraiment décocher la sauvegarde automatique, hein, et vous verrez que vous allez revivre dans le jeu. Hein. Donc ça, corde, hop, les clous, le temps que ça cuit, on range, hop. Donc, je voudrais bien me faire le shotgun. Alors, pour ça, il me faut... On verra quand on aura mangé, mais enfin, on va préparer le terrain. Pour le shotgun, il me faut des morceaux de fer. Donc, on en a là. Cinq planches. Quatre morceaux de tissu, on les a. Donc on va se craft 4 planches. 1, 2, 3, 4. Déjà, on pourra plus s'attaquer à de gros animaux. Donc ici, on va mettre les fibres. Donc on va regarder où en est notre steak. Steak, façon de parler. C'est cuit. Ok, on va le manger. On n'aura pas intérêt à tarder à rechasser. Hein. Donc là, on est pas mal. On va faire F8. Hein. Alors, au niveau des plafonds... Ça, j'ai pas encore. Hein. C'est con. Bon, après tout, en solo, c'est pas trop compliqué. Donc, il me faut des clous et des cordes. F. Clou.
corde. Donc pour faire des cordes, il me faut aussi des fibres. Voilà. Hop, on va se faire des munitions de... pour le fusil à pompe. Alors, toc, toc, toc. Munitions. Cartouche de fusil à pompe. De... Je peux en faire qu'une? Oh la vache! On en a 10. Ok. Je sais pas si ça vaut trop le coup pour l'instant d'utiliser. On a 12 munitions là. On va le prendre. Est-ce qu'on peut se faire des magnums? Ouais. 12. 13, 14. 14, on peut en faire. Donc on va se craft le fusil à pompe. Il me manque une planche. Après, au niveau du feu là, qui ne s'éteigne pas. L'eau c'est bon. Donc hop, ici. On va lui remettre du carburant. Quoi? Ouais. Donc on va se craft le fusil à pompe. Et on va se faire, je crois qu'il manque deux toits, si je dis pas de bêtises. On a le fusil à pompe, c'est bon. Il manque ouais, deux toits. Donc, plafond. Il manque quatre planches. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 2 plafonds, 4 planches, 4 planches pour un plafond, ça fait 4, 8 planches pour 2 plafonds. Logique. Bon, on va laisser faire ça, on va ranger les munitions. C'est pas la peine de les trimballer. Hop, hop. Je vais me faire aussi une énergie, une masse. J'ai beaucoup de choses que je veux faire là. Et le jour se lève déjà. Fusil à pompe, on va pas le prendre. Par contre, on va prendre au cas où on trouve pas de poulet, on va se prendre le gun. Voilà. On va recharger tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ok. Donc, on va se mettre vite fait. Ouais, on fera ça tout à l'heure, les deux toits. On va d'abord aller chasser du poulet si possible en premier. Et s'il n'y en a pas, bah écoutez, on se fera un loup. Beau temps. Il fait super beau. Waouh. On a un lapin juste en face. Yes. Ce serait bien qu'on ait du varech aussi. Hein. On en a là. Il n'y en a pas. Mais le lapin, il nous a pas attendu, il s'est barré. Hein. Ouais, il s'est foutu dans les pattes de l'ours là-bas, j'y crois pas.
On l'a eu. Ah, il y a un bug là. Il y a un bug là. Tu m'as pas vu, l'ours. Je suis pas là. Je suis pas là. Je récupère juste mon lapin. Hein, Teddy? Ça te gêne pas? Voilà, hein? Puis il nous faudrait une petite poule. Il nous faut du bois, des légumes, pas des fibres. On a une caisse là-haut. Il y a le jardin aussi que je veux faire. Oh là là, faut faire plein de trucs. Hein. Je vais faire gaffe parce que. Comment est-on? On a commencé à manquer un petit peu de tout. On a un lapin hein, déjà. Mal découpé. Pas trop tarder pour le faire cuire. On a un loup ici. Ça. Des fibres. Des myrtilles. Ouais, il nous faut du bois. Là, il y a du fer à ramasser. Ça a l'air d'avoir de prédateurs dans le coin pour l'instant. Et c'est pas pour ça qu'il y a des poules ou des lapins. Ça, c'est des fibres. Ici, des fibres. Oh, on est mal là. On a de la viande, mais on n'a pas de légumes. On se calme, Léon. C'est pas que je veux pas t'attaquer, mais. On a une carotte. Est-ce qu'on va avoir une graine ou une carotte? Ah, une graine. Chier.
Est-ce que là, dans les temps, on n'aurait pas du varech, hein? Ce serait vraiment très bien. On va remonter. Quand il fait pas beau, on y voit vraiment pas bien. Ouais, les bugs, non, elle n'est pas bug. Mais bon. Pour l'avoir, laissez tomber l'affaire. Vraiment là pour chasser. J'ai vu un autre varec ici. Hop là. Recule, recule, recule. Avant de te noyer. Il y en a un autre là, mais je vais remonter. On a un lapin en face. Hein. Accroupi sous l'eau, évidemment. Ça donne ça, quoi. Ah, je suis bug. Non, non, ça ne lag pas. C'est fluide. C'est parce que c'est un jeu où tu ne joues pas super vite. Tout simplement, mais il n'y a pas de lag. Je vois mon écran, c'est fluide. Ça doit venir de toi. Ah, je l'ai raté. Non, pas assez. Comment on est là? On va se manger ça. On va se manger un cranberry. Pas génialissime hein, tout ça. Le petit lapin, il est là-bas. Oh putain, mais faut être pipe pour le rater là. Et tu me la ramasses la flèche là. J'ai perdu mon lapin. Voilà la caisse là-bas. On a le lapin en plus à côté. Hop, non, on va pas courir. Tu parles que le lapin, il s'est carabiné. Hein. Ben voilà. On a une pomme. Donc, on la mange.
Toi, je dois avoir mon lapin par là, hein. Pas que d'ailleurs. Je suis toujours accroupie, non? Ouais. On a une caisse là-bas au fond. Mais c'est pas ça qui va me faire manger, hein. Je voudrais. Ah, il y a une poule là. J'ai une poupoule. Elles sont un peu bêtes, les poules, donc elles sont assez faciles à avoir. Oh! Oh non, merde! Je l'ai pas vu lui, hein. Il m'a lâché. Est-ce qu'il m'a lâché? J'ose même pas me retourner pour savoir s'il m'a lâché. Putain, j'ai plus de vie. J'ai pas intérêt à ce qu'il m'attaque à nouveau. Ah, il m'a lâché. J'ai eu chaud, hein. On en a un autre là. On va pas chercher. On va aller se faire cuire le lapin, hein. J'ai même pas vu le loup, quoi. Complètement omnibulé par mon lapin. Donc on va mettre du carburant. On va boire un coup. On va aller re-remplir la gourde le temps que ça cuise. On a un ours en face, un loup, la totale quoi. J'ai plus de pansement. Super. Je regarde comment on fait les pansements. Je m'en souviens plus. Alors, est-ce que le... c'est cuit ça? Non. Juste attends. Hop. Manger. C'est juste, hein. Il nous faut vraiment un autre lapin ou un autre poulet. Bandage. Allez, on va se faire un bandage. Voilà. Mettre ça dans le feu. Et on est reparti. F. Puis-je avoir un poulet? C'est possible, hein? Ah bah, y a un truc là. Enfin, j'ai pas intérêt à me faire attaquer par un ours ou autre. Sinon, je suis morte. C'est des munitions. Ça va pas beaucoup m'aider. Ah là, il y a un ours. Heureusement que j'ai vu.
Là, j'ai un loup, mais tout va bien. Puis-je avoir un poulet, s'il vous plaît? Un poulet ou un lapin ou une caisse ou des choses comme ça. Avant que la nuit tombe. Des fibres, j'en ai 3 tonnes. Ça sert toujours, mais bon. Pas vraiment ce que je voulais. Presque. 59 minutes. Voilà, je l'ai vraiment pas vu, hein, l'ours. Hein. Et on a, j'ai vu une poule là-bas. Est-ce que c'est pas là qu'il y avait le loup tout à l'heure? Non, je pense pas. On va y aller mollo, hein. De toute façon, c'est pas un jeu où il faut y aller à la bourrin. Je sens que je vais me faire bouffer. Je suis un peu loin là. Cette maudite poule. Tu la cocotte dans les grandes herbes, c'est jamais bon. Ah, bah oui, assez barré, je m'en doute un peu. De quoi? C'est pas vraiment ce que j'avais besoin. On a la poule là-bas. Je fonce moi, mais je devrais pas. Hein. Comment est-on? Une poule. Il faudrait bien une seconde, hein, pour passer la nuit. Du coup, je m'éloigne et je sais plus. Ça y est, j'ai ma base, le repère. Des fibres.
toujours des poules ou des lapins sur cette plage d'habitude et là il n'y en a pas. C'est fait exprès. Ce jeu me hait. On a une caisse à munitions, mais on a un loup à gauche. Donc, c'est pas qu'on l'aime pas le pépère, mais bon, on va éviter. C'est des fibres. Et la nuit commence à tomber. Un ours. Deux ours juste en bas de la base. Mais bon sang, bonsoir, où c'est qu'elles sont ces poules? C'est toujours des fibres. Il y a une caisse, elle a des pop, j'y crois pas. On a une poule là-bas, yes. On a une caisse là, deux caisses là. Ok. Elle est où la deuxième ici? On a une pomme. Faut vraiment qu'on se fasse la poule. Hein. Faut pas qu'on la rate. Quand elle se fout dans les grandes herbes, c'est mort. Ouais, j'ai lâché le bouton. Non, 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 non. Faut pas qu'elle nous échappe, cette poule. Hein. Non, elle a pas des pop. Je la vois plus. Elle s'est barrée, la vache. Elle est là. Oh, putain, elle a bougé au moment où, hein. Flèche, je crois que je peux lui dire adieu. Il me faut cette poule. Elle est là. J'ai même pas regardé si j'avais un ours ou quoi que ce soit autour de moi. Faire bouffer.
Donc on a deux poules, une pomme, on devrait être bien. Sur le chemin du retour, on en trouve une autre, ce sera encore mieux. Bon là, on va pas trop traînailler parce que la nuit va tomber. Qu'on a nos amis les ours. On n'a rien là, hein, par des arbres. Il va falloir que je contourne Teddy là. Ce qui ne m'arrange pas. Juste en bas. Il m'a pas capté, donc c'est très bien. Est-ce qu'on a la carotte? Yes! Tout bénef. Oula, on a un loup là. Ça pue. Mais je sais pas si on n'a pas un ours en bas là. À moins qu'il ait changé sa zone. Il a l'air. Il est bien planqué. Et quand j'aurai dessus, je dirai, ah ben non. Ah ben non, il est là. Ah bah ben, parti. Oh là là, j'en ai deux. Teddy m'a pas vu, m'a pas vu. Tu m'as pas vu, hein. Non, tu m'as pas vu. Dis-moi que tu m'as pas vu, s'il te plaît. Non, il m'a pas vu. Nickel. On a un Bambi là, mais ça sert à rien. Il faut le poursuivre. Donc ça sert à que dalle. Donc là, on a quoi? Y en a une autre là-bas. Cours Forest, c'est des munitions. Ouais, il y a celui-là, mais il y a The Forest surtout. Ah là, putain, c'est la nuit. Je suis mal. Ouais, il y a celui-là, Mimi, que je t'ai parlé, mais c'est The Forest surtout. Ok, donc on a à manger quoi? Parce qu'on est mal en bouffe là. Donc, il faut qu'on remette du carburant. Alors, on va faire cuire nos morceaux de viande. Divisé en deux. Hop. On va manger notre carotte ou notre pomme. On n'avait plus de cranberries, hein. Non. Donc on va manger la carotte.
Donc tu dois gérer en fait, ma Mémie, tu vois, tes protéines, donc la viande, les fruits et les légumes et l'eau. Donc même si ta barre elle est à fond au niveau des fruits et légumes, si au niveau de la viande tu n'es pas au minimum, au moins à la moitié de ta barre, tu peux mourir mais de malnutrition. Voilà. Donc ma viande est cuite. Ok. Donc on va manger. Voilà, ça va être juste, hein. C'est just là niveau bouffe. Hein. Bon. De toute façon, là, on va pas aller de nuit. Donc, on va se faire le toit. Donc, un plafond plein. Il nous en faut deux. Voilà. Donc la journée on craft, la nuit on build. Dans quel sens je les ai foutus? J'y vois que dalle. Ouais. Dans quel sens j'ai mis les planches? Bon, ça n'a pas bien grande importance. Alors. M'embête. Voilà, et on va mettre le plafond. Là, on n'a plus de courant d'air. C'est bien, ça suffit. Quand on joue à plusieurs, effectivement, voilà, mais là, tout seul. Donc, je vais reposer ce que je n'ai pas besoin. Est-ce qu'on peut se faire des... Vu qu'on a chopé d'autres munitions, des cartouches de fusil à pompe. Non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Ouais, une seule. Ouais, youpla boum. Donc, on va ranger ça. Les clous, c'est fait. On va le ranger. Les munitions. Les fibres. Ça. Le fusil à pompe, on va le prendre. On va essayer de se faire un loup. J'espère ne pas me faire empoisonner. Sinon, c'est la fin des haricots. Toc, fusil à pompe, je prends. Planche, je ne prends pas. Ça, je ne prends pas. Et ça, je ne prends pas. Et j'ai plus de place dans ce coffre. Parce que ça va pas là. Et ça non plus. Et ça non plus. Et ça non plus. Alors, échappe. Je crois qu'on va être obligé de se taper un loup. On va pas avoir le choix. Qu'on va pas avoir le choix. Ça, c'est de l'engrais. Les cendres servent à l'engrais. Là, ça va. Le varech. Ok, on a 9 flèches. Donc, est-ce que le jour se lève? Mais oui, yes. Donc, quatrième, on va recharger. Une? Comment ça, une?
T'as pris mes balles? Non, j'ai pas pris les balles. Bon. Tant qu'à faire. Pourquoi pas prendre les balles hein? Échappe. F. Non, j'ai rien oublié d'autre. Échappe. Recharger. Ah, tu m'en mets mes 5 ce coup-ci. Là, on est d'accord. On va peut-être commencer peut-être avec le petit. Il nous faut du bois. Il faut tout un tas de trucs. Alors, F. On va remettre du carburant. Il va falloir qu'on fasse une session. Je coupe du bois, quoi. C'est pour ça que la coop dans ce jeu, c'est beaucoup plus pratique. On se dispatche les rôles comme ça. Est-ce que c'est vraiment l'heure de sortir? Parce qu'elle va me dire qu'est-ce qu'il y a. J'avais vu une caisse. Je rêve. Est-ce que je rêve? Oui, j'ai rêvé. Bon, allez, un plongeon. Ouf! Donc, tant qu'il n'y a pas de... À part l'ours. Tant qu'il n'y a pas de prédateur, on va se ramasser... Merde, je croyais que c'était des myrtilles. Mais non, c'est des fibres. F. Bon, faut qu'on se fasse un ou deux poulets ou un loup. Trouver des caisses. Ramasser du bois. Enfin, la totale, quoi. Mais là, urgence bouffe. Urgence viande. Je vous promets pas que je vais pas mourir. Hein. Oh non, on a un lapin devant, on va pas s'emmerder. Hein. On va pas s'emmerder, on a un petit lapin là. Ça suffira amplement. S'il nous voit pas. Ne va pas dans les grandes herbes, non! Oh, il m'a vu. Le con. Le soleil se lève comme ça, j'aime pas trop. J'y vois que dalle. C'est du fer? Non, c'est une caisse, c'est quoi? Du fer. Ouais, non, mais là, faut que je mange vite, quoi. Bon! Je suis prête à mourir. J'ai peur. Merci, Caprécieuse, pour ton follow. Mais tu m'as fait peur. J'étais plongée sur mon truc. Ah, mais il y a un lapin là-bas. Je suis peut-être pas obligée de mourir. Moins que le loup m'attaque. Si le loup m'attaque pas. Bah, il s'est barré le lapin, évidemment. Hein. Il faut qu'on mange là. On va crever. Enfin, merci beaucoup pour ton follow, même si tu as failli me faire avoir une attaque. Mais merci, c'est gentil. Bienvenue à toi sur le live. Bon,
crois qu'on va pas avoir 50 solus. Je sais pas où il est passé. Aïe aïe. Évidemment, le lapin est à côté, hein. Donc à faire. Petit lapin. Tu peux pas te sortir du loup. C'est pas que, mais. Je sens que je vais me faire avoir comme une bleue. Il n'y a pas d'eau dans le coin. Non. Elle est passée où? Il y a des pop. Ah non, il est là. Bon, priez pour moi. Ah, mais le lapin, il s'est barré là-bas, quoi. Vite, vite. Je l'ai eu. Désolée pour ceux qui sont à table. Tout ça sans être infecté, c'est magique. Bon, on est comment? Mal. Quoi manger? On est debout, non, on était accroupi, donc il nous faut du bois. Oh, le lapin m'en fout maintenant. Je commence à m'y faire au loup. C'est les ours, j'ai pas testé encore, hein. Téméraire, mais pas suicidaire. J'avance à mon rythme. Voilà. Alors, où on est? On est là. Donc, il nous faut du bois. On a quand même un loup à se mettre sous la dent. Cracherai pas sur quelques caisses ou des fruits et des légumes, mais bon, on va aller dans les temps voir s'il y a du varech. On a pu se faire le fusil à pompe. Ah, on a une caisse ici, mais c'est une caisse de construction. Ouais. Oh merde, le lapin. Tant pis. On a une caisse de construction. C'est déjà mieux que rien, vous me direz. Hop. J'entends les bruits de pattes du lapin. Je sais pas où il est. C'est super frustrant. Donc là, c'est quoi des fibres? Pas regarder autour de moi, je suis con. On l'a eu. Bon, on a de quoi en bouffe, hein. Le tout maintenant est de trouver des fruits et des légumes.
Donc on va aller voir s'il y a du varech dans l'étang. Ça ferait très bien l'affaire. Il y en a un là. Allez, ramasse-le. Remonte avant de te noyer. Chercher du varech n'est pas chose aisée. Il m'a quand même fallu cette balle hein, pour avoir ce loup là. Bon, t'es dit, on va l'éviter, hein? On va essayer d'éviter de se faire bouffer par l'ours. Ni de mourir noyé. On va essayer de choper le varech. Vite, 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 vite. Dépêche-toi. Allez, remonte, 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 remonte. Allez, 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 on est bon. Donc on va monter à la base. Il n'y a pas d'autre. Non. On a une caisse en face. Bon, on peut se le faire. Si Teddy vient pas nous. Hein? Teddy couché. Teddy couché. Hein? Voilà. Gentil, le nounours. Tu m'as pas vu. Hop. Il n'y a rien de plus, hein? On a un loup en face. Bon, on a déjà de quoi pas mal bouffer. Ok. On va garder quand même les varech. Hein. Ça aide. Mais bon. Je crois que là, si on a tout pris. Qu'on se noie pas. Qu'on se fasse pas bouffer par l'ours. On a encore un petit peu de temps. Mais bon, on va pas... La nuit commence à tomber, là, je crois. Non, même pas. C'est le jour. Bon, on va monter. On va aller faire cuire notre loup. Car oui, nous avons eu un loup. Allez, hop, on va faire cuire ça. Parce que là, pour qu'on se remette bien, on va faire... On va tuer le lapin. On va faire cuire ça. On va remettre du carburant. Faire cuire le lapin. Et le foie aussi, parce que pour l'instant, on ne le tiendra pas. Tant qu'on n'a pas le frigo, au niveau de la nourriture, c'est compliqué. Barre qu'on en a 5, ça devrait nous remonter. Allez, ça cuit la viande. Ah, puis j'ai faim, en plus j'ai pas mangé. Alors, faut qu'on transforme en graisse. On en a 2 là. Ceci, ça c'est pas de la viande. Alors, ça c'est cuit. Ici, non. Et ça non. On va manger ça. Cuite. Voilà, comme ça on pourra garder le foie de côté. Alors, on va se manger un varech, voire même 2. On va boire un coup. Voilà, là on est nickel. Donc on sauvegarde F8. Pas
partie sauvegarder. Et on est reparti. Alors, F. Puisqu'il fait encore jour. On va se remplir notre bouteille d'eau. Ah, j'ai plus de pansement. Bandage, c'est. J'en ai plus qu'une peau. Waouh, faut que je tue du lapin là. J'ai plus de quoi me faire en bandage. Ok. On va s'en remplir la bouteille de flotte. Qu'est-ce qu'il y a par là? Pas trop loin parce que la nuit, de toute façon, on va pas tarder à tomber. Ah, on a une poule là-bas. Ou un lapin, je ne sais pas. On a un légume ici. Trois. Une carotte, toujours. On a un loup là. Je vais me trouver une naine avec un. Ah, il m'a entendu. Je vais me retrouver une naine avec un loup. Pas en sécurité, on sait jamais, hein. Donc il nous faut quand même du bois aussi, hein. Faut pas qu'on oublie ça. Des fibres. Rien qui va m'attaquer. Top, 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 pas plus. Alors, l'arbre vert, on va se le faire. Comment on est? On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. On a une caisse là. Deux caisses. Ok. On sait que j'avais vu l'autre caisse. Si elle n'a pas d'épop. C'est toujours des fibres. Voilà, des pop. Il commence à faire nuit ou c'est moi? Il commence à avoir les yeux qui fatiguent.
Non, il y a une caisse ici. On a des cranberries. On a des légumes, on a de la viande. C'est bon. On est pas mal. Se retourner doucement vers la base. Non, là on a des fruits, non, c'est des fibres, toujours pareil. On a un loup là. Je vais pas l'attaquer, j'ai plus de bandage. Hein, donc il faudrait que je tue un lapin pour avoir la peau. J'en ai un là-bas. Mais bon, les petits lapins sont malins par rapport aux poules, quoi. C'est ça qui est chiant. Ils sont super malins, quoi. Un jeu de patience avec eux là. Il va me voir bien sûr. Non. Moi et mon problème de level que je ne vois pas, je sais pas où il est. Ben il est là. Oh non. Pourquoi t'es parti? Je vais sur quoi là? Sur rien du tout. Je peux pas m'attaquer à un ours ou à une caisse là. À un ours ou à un loup sans avoir de bandage. Pour avoir un bandage, il faut que j'ai une peau de lapin. L'un dans l'autre, on calcule. Ok, on va peut-être manger ça avant que ça se perde. Comme ça, on est tranquille pour un moment. Et on boira un coup. Donc, F8. Bon, il nous faut du bois. Ça, c'est certain. Fasse pas tuer bêtement. J'ai une poule là. Ok. Hop. Des fois, il y a des poules, elles sont bêtes. Une poule et un lapin. Au choix. Je préférerais le lapin. Allez, arrête-toi. Oh, putain. Saleté. On va se taper la poule. Oh,
Alors, lapin apporte des peaux, les poules apportent des plumes qui vous permettent de vous faire des flèches. Raté. On va récupérer la flèche. Et c'est là où je me retrouve, naine avec un loup. Et c'est cuit. Oui, bah, c'est la poule. Je l'entends, hein, sous moi. Coin, 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 là. En coin, coin, c'est les canards. Hey, je level up bientôt. Ah, il y a une caisse là. Je l'avais point vu. Il y en a une autre là-bas. Ça, c'est quoi? Des soins encore? Enfin, ce qu'ils appellent soins. Ça nous fait une pomme. C'est mieux que rien. On a un loup là, on sait. Donc la nuit va pas tarder à tomber. On va se faire les arbres si on peut. Vous avez déjà fait. On a un lapin là. Hop, on va s'accroupir. S'arrête avant. Hein. On l'a eu. Oh non, il n'est pas mort. J'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas quand ça couine le pauvre. Mais ouais, je sais, pépère, mais bon. Quand je ferai l'élevage, promis, je te couique pas. Je t'élèverai comme un joli petit lapin. Mais là, priorité à la survie. On a une poule sur la gauche. Et une biche aussi. On avait une poule sur la gauche. La Bambi. J'avais une poule par là, hein? Il y a aussi un loup, donc je fasse gaffe. On va faire gaffe à Teddy aussi là-bas à gauche. Teddy, il fera pas de cadeau. C'est pas le moment qu'on se fasse bouffer. Pas tout à fait nuit. Oh, on a le loup là. On pourrait regarder si on se trouve des varechs. Bon, on a tout pris tout à l'heure, hein, je pense. Voilà, on a Teddy. Il va faire nuit. Donc on va pas prendre de risques qui servent à rien. On va mettre du poil, du poil, oui, du poil, du feu dans le poil. Est-ce que c'était juste en carburant? Alors, ça c'est pareil. Donc, on va quick le lapin. Voilà. Le pauvre. On va le découper, le pauvre, et on va le mettre à cuire.
comme ça il dure plus longtemps. Donc au niveau au jardin, on va mettre ça. L'engrais. Hop. Donc j'ai deux pots de lapin. Je peux me faire un bandage. Ok. Nickel. Ok. Ensuite, au niveau d'ici, il faut qu'on mette notre eau. Faut qu'on mette l'eau. Ah ben c'est cuit notre poulet, d'accord. Faut qu'on mette notre eau à cuire. Donc on s'est fait tac tac tac. Faudrait peut-être qu'on se fasse la pioche. Pour le minerai, mais non, j'ai pas encore la raffinerie là. Qu'est-ce que je peux faire? Il me faudrait le petit générateur. Donc il me faut des électroniques et 4 planches. Donc ça, les 4 planches, on peut les faire tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai dit, on a ce qu'il faut en faire. Et il nous faut 5 composants électriques. Ok. On va aller chercher ça. Assez, voilà. Il nous faudra faire la masse aussi. Et la masse, c'est. On verra si on peut la faire après, mais je pense pas. Donc on va se fabriquer ça. Non. On pourra pas. Parce que là, on a utilisé l'électricité et la masse. Hein. Donc on va voir si en posant le générateur, ça aide un petit peu. Je sais pas trop où je vais le mettre, pour être honnête avec vous. Elle commence à avoir froid. Alors, on va poser notre 8, 7, 6, 5. On va poser le petit générateur par là. Alors, il faut du biocarburant. On en a. Pas des masses, mais on en a. Allumé. Voilà, on cherchait d'autres. Dans quoi je l'ai mis? Quel coffre? Bon, il n'y a pas grand chose encore dans la base. Hein. On aura bien avancé pour cet épisode quand même. Donc, hop. On va faire diviser en deux. Et diviser en deux. Histoire de voir ce que ça donne. Donc, on va lui en mettre 9. Ouais, voilà, c'est bien ça qu'il faut. Hein. Hop. Voilà, on est à fond. Pour le carburant, x3. Alors, est-ce qu'au niveau de mon...
ici de ma de mon centre de contrôle. Ouais, ça remonte quand même relativement vite, hein. Donc après, si je veux de la masse, hein, il faut que j'ai 500 d'électricité, j'en ai 415, 420 et 75 de masse, hein, j'en ai que 50. Donc on pourra pas la faire tout de suite. On va sauvegarder quand même. On est bloqué au niveau de la masse. Ça remonte tout doucement. Tout petit. La plantation, ça prend 500 d'électricité et 100 de masse. Ouais, il me faut vraiment... Et l'établi. Je peux quand même pas y penser. 750 d'électricité, 120 de masse. Alors ça permet de fabriquer des munitions, des matériaux de construction, et d'améliorer les armes. Ouais. Fabricateur de masse. Ouais, ça, il faudra qu'on se le fasse aussi. Pour le moment, il faut qu'on attende que ça remonte au niveau de la masse. Parce que là, par exemple, pour le fabricateur de masse, il nous faut 100 de masse et 500 d'énergie. Donc, on pourrait le faire avec l'énergie, mais on n'a que 57 de masse. Donc, on n'a pas assez. Et si on veut se faire un stockage de masse, stock de la masse générée supplémentaire dans votre base, c'est 575 et on n'est qu'à 58. Donc, c'est pas bon. Pour l'instant, on ne peut plus rien faire. Donc, on va éteindre Pépère là, pour ne pas gaspiller trop le biocarburant. On va re-ranger tout ça. Pas à peine d'amener avec nous tout un bazar. Donc ça, les cordes, je les ai là. Hop là. Ici, du fer. J'ai super faim. Les asticots, ben, on va laisser là. Cranberries aussi. La plante médicinale, on va la laisser là. Donc, on a un lapin à manger. On a des munitions pour nos armes, on a nos pansements. On a des flèches en tout. Alors, qu'a-t-on là? Elle me dire qu'elle a froid. On a une caisse là-bas avec un loup à côté. Là, on a deux caisses sans loup à côté. Trois caisses. Allez, hop. Le loup a bougé. Hop là. On a un lapin. Voilà. Oh non, t'es pas mort encore, mais vous le faites exprès dans ce jeu. J'aime pas du tout quand il dit queen comme ça, le pauvre. J'en avais pas un autre dans l'inventaire, hein. À quick déjà. Non, j'ai tué déjà. D'accord. Ok. J'aime pas du tout le bruit. Dans le sens où on peut faire de l'élevage, il y a des fois où vous allez les tuer du premier coup.
Et le deuxième coup, vous n'allez pas les tuer, ils sont en vie. Donc vous pouvez les poser dans la un petit cabanon. Moi, je ne sais pas du tout comment je vais faire par contre. Hein, vu où est ma base, je sais pas. J'ai pas testé le truc de savoir s'il fallait que ce soit au sol. On est comment bon, on va manger. Hop. Hein. On va le manger. Puis on va le découper et on va manger une pomme. Et on a oublié l'eau dans la base. C'est pas grave, on boira plus tard. Ah tiens, ça a pas... Je t'ai coupé si tard que ça, toi ? On va essayer de ramasser quelques bois, des fruits et légumes. Des fibres. J'en ai 3 tonnes. On va finir cette journée et on arrêtera donc là l'épisode 7, je crois que c'est. Si ma mémoire est bonne, l'épisode 7, me semble. Ouais, voilà, épisode 7. On va prendre les fruits là. Ça, c'est des fruits. Non, c'est des fibres. Piégé moi-même. Alors, je vous aurais fait un live un petit peu plus long que d'habitude sur ce jeu. Après, j'irai manger un bout et je finirai ma soirée relax sur Stranden Deep. Voilà, où je continuerai ce coup-ci. Je sais pas si je continuerai la partie des followers parce que je sais pas s'ils seront là. Donc, sinon, je continuerai ma partie perso que je poste pas sur YouTube, mais bon, ça m'embête un peu. On essaiera d'avancer celle des followers un petit peu. Voilà, donc on finit cette journée ici. Après je vais manger et on finira cette journée du 29 octobre sur du Stranden Deep. On aura fait des Sims. On aura fait du subsistance. On a une poule. La vache, elle m'a vu, hein. C'est fou, hein. Elles ont un radar, hein. Ouais, bah, c'est les poules qui courent plus vite que leurs ombres. Pas du tout dans quelle direction elle est partie. J'ai entendu grogner. Non, non, je m'étais pas trompée, j'avais un ours dessus. Le problème des collines. Non, mais non. Non. Ça te plaît, Mimi? Bon, il fait un temps pourri. Ah, un loup. Un loup, un loup, un loup. Derrière, j'ai un ours. Tout va bien et j'ai pas enclenché les... J'ai pas mis les chasseurs. Alors imaginez avec les chasseurs.
ce que ça donnerait je sais plus par où passer. Soit je me fais bouffer par un ours, soit je me fais bouffer par un loup, c'est au choix. Bon, je voudrais juste un petit lapin ou une petite poule, ça me suffirait amplement. Je serais la plus ravie. Je demande pas grand-chose, hein. Et quelques petits sacs, hein. Juste cela. On en a un sur le rocher là. On a du fer par terre. Le plus dur en fait, Mimi, c'est au niveau de ta base. Il faut énormément de craft pour te l'améliorer avec l'électricité et tout. Donc faut que tu craftes beaucoup, faut que tu... Non, ça n'a pas des pop le temps que j'arrive. Ah. Faut que tu craftes beaucoup, faut que tu aies de l'énergie et la masse nécessaire pour faire tourner les choses. Faut que tu gères ben, ta viande, tes légumes. Il y a tout un tas de trucs à faire, quoi. C'est affolant. Tu n'arrêtes jamais. Pour ça, qu'en coop, c'est sympa parce qu'on se dispatche. On a un lapin. On va tuer le lapin. Viens ici. Parce qu'au début, t'as poil, hein. T'as juste un petit pistolet. Donc, c'est à toi de te faire l'arc. Tu te fais pas tout ça dès le début. Un peu loin. Ah, j'ai raté. J'ai raté. Ma flèche. Je voulais aller trop vite. Après, il faut que tu trouves des mallettes, enfin des caisses. Ah, alors voilà mon lapin. T'as des caisses de munitions, des caisses de construction, des caisses de soins. Voilà. Après, il y a des caisses en ferraille que tu as quand tu poses ton unité centrale. Tu n'as qu'une seule clé. Et après, tu peux te les fabriquer grâce à l'atelier. Mais l'atelier, encore faut-il que tu aies. Viens ici le lapin. Petit lapin. Non, 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 te barre pas, te barre pas. Viens là, viens là, viens, viens là. Là. On l'a eu. Allez, hop, on va le chercher. Non, il est pas mort, putain, mais arrêtez, quoi, ce jeu. C'est dégueulasse. Il est pas mort. Je peux pas faire l'élevage tout de suite, en plus. J'aime pas quand il pleure comme ça. Teddy, tu restes là-bas, hein? Enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, vous savez que je donne des noms aux ours et aux loups. Hein. En construction, on va tuer le lapin tout de suite, hein. C'est pas que j'ai pas. Voilà, mais bon, c'est fait. Voilà. On le fera cuire. On aurait besoin de bois, je pense. Hein. Essayer de pas se faire bouffer. Comment on est? On va sauvegarder. Et fuite. Ok. C'est jamais. Hein. Ça se fait bouffer en chemin. Qu'à faire, ça c'est toujours des fibres. Non, 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 je t'ai vu, je t'ai vu. Casse-toi, 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 casse-toi. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Non, 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 me bouffe pas. J'ose même pas me retourner, j'ose même pas me retourner. M'a lâché. C'est pas que j'avais pas de quoi te tuer, hein, mais j'en voyais pas l'intérêt là.
Vu que j'ai déjà un lapin et que je suis à fond, la viande se serait perdue. Avec un risque que toi, tu me tues, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, en fait, si tu veux, tu les tues une fois sur deux, une fois. Tu les tues, mais il y a des fois où ils te les laissent vivants parce que tu as la possibilité de te faire un élevage sur ta base. Les poules, c'est pareil. Tu peux très bien avoir ta poule, mais elle n'est pas morte dans ton inventaire parce que tu peux te construire un abri pour faire de l'élevage où elle va te pondre des œufs. Par contre, de toute façon, quand l'animal, le lapin ou la poule arrive au niveau 10, tu n'en tireras plus rien, donc tu peux les tuer. Mais bon, j'aime pas les poules, je m'en fous, mais les lapins, les pauvres, ils pleurent, ça couine, j'aime pas, ça me tourne l'estomac. Ben ouais, ça me tourne l'estomac. J'ai pas eu beaucoup de caisses là, ce coup-ci. Bon, après, t'as la pêche aussi. À savoir, Mimi, qu'un loup, par exemple, le loup là qui m'a coursé, s'il me tue, il monte d'un level. Donc, toi, tu montes pas en level, mais lui, oui. À chaque fois qu'un loup te tue, enfin, si ce même loup te tue une deuxième fois, ben, il passera level. Il commence level 1, il te tue. Il passe level 2. Donc, tu auras deux fois plus de mal à le tuer. S'il te tue encore une nouvelle fois, ben, il passe level 3 et ainsi de suite. Par contre, toi, tu montes pas en level. Voilà. Donc après, tu as la possibilité de mettre en place les chasseurs, qui sont des entités virtuelles et qui vont créer des bases un petit peu partout là sur la map et qui vont t'attaquer, qui vont essayer de venir te piller. Donc des fois, tu seras comme ça en train de crafter ta base et d'un seul coup, tu entendras des explosions, des coups de feu. Donc, faudra que tu ailles vite voir ta base où ça en est parce que c'est que les chasseurs les attaquent, l'attaquent. Mais ça aussi, tu peux le paramétrer. Tu peux paramétrer que ils n'attaquent ta base que s'il y a des représailles, c'est-à-dire si c'est toi qui va les attaquer. Si tu arrives à tuer un chasseur, tu peux lui piquer le contenu de ton sac à dos, mais tu peux aussi aller lui prendre ce qu'il a dans sa base. Voilà. Mais bon, avec ça, faut être quand même équipé. Bon, il y en a des chasseurs au départ, ils sont un petit peu comme toi à poil, quoi. Mais t'en as qui sont équipés avec des gilets et tout le bazar que tu peux te faire toi aussi. Mais faut crafter, faut des peaux particulières. Après, t'as les jaguars qui se mettent en place. Enfin, c'est la fête au village, quoi. J'ai un loup. Donc, c'est un jeu de survie hardcore. Hardcore dans le sens difficile. Parce que si tu manges pas équilibré, comme je te disais, si tu n'as pas, si t'as ta barre par exemple de fruits et légumes qui est pleine, mais ta viande, t'as plus rien en viande, tu vas avoir l'écran qui va clignoter, on va te dire vous souffrez de malnutrition et tu vas mourir. Voilà. Donc, c'est pas top. Donc de toute façon, tu passes ton temps à tuer des animaux pour survivre. Bon, j'avais pas vu Teddy en face de moi là. Salut Teddy. Il a déménagé. Ah, il y a une caisse là-bas, on va la chercher. Des munitions. On vérifie. Faut vraiment être à l'affût du moindre bruit. Parce que l'ours n'était pas là tout à l'heure, maintenant il est là. Donc s'il est là, c'est qu'il est plus là-bas. Et là, à côté de la caisse, j'ai quoi? Il est où Teddy là? Plus là? Si, si, il est là. On va passer par l'eau. Comme ça, je vais regarder s'il y a du varech. Ce qui m'étonnerait.
avant d'aller ramasser la caisse. Oh putain, Teddy, il est pris quoi. Ça fait peur. Si lui m'attaque, par contre, deux coups de patte, je suis mortin. Et j'ai un loup en face. Alors, on va essayer d'y aller en s'accroupissant. C'est quoi? Soin en plus. Et il flotte. Non, 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 j'en veux pas. Je te la laisse. Non. Le con. Tu m'as lâché? M'a pas lâché cet enfoiré, hein. M'enlever un quart de vie. Ah, j'ai plus de stamina pour courir. Tu m'as lâché? Mais non, mais il me lâche pas, hein. Putain. Oh mec là, c'est plus ton territoire là. T'es reparti à ton territoire ou tu m'attends là quoi? Avec le beau temps qui fait dangereux. Du coup, il m'a fait rater une poule et tout là. Est-ce qu'il est reparti? Ouais, il repart à. J'ai ma poule là. Je peux y passer quand même. Merde, elle m'a vu. Puis elle va aller se foutre dans ses guiboles. Hein. Bon, The Wolf, tu me lâches la grappe. Hein. Merde, elle m'a vu. Hein. Saloperie de poule. On dirait qu'elle court vite le dire à l'ours, au loup là-bas. Elle est là, elle est là. Comment est-on? Oula, on est mal partout. Ça. Bon, faut vraiment qu'on trouve du varech, par contre. On en a un là. C'est bon, on en a deux là. Si elle se noie pas avant de remonter, ça sera cool. Hop, allez, remonte. Allez, allez, allez. Non, te noie pas, te noie pas, te noie pas. Te noie pas. Du varech. Il n'y a pas 3 tonnes. Hein. Quel beau temps dans ce jeu. C'est un peu comme dans Stranden Deep, quand je décide enfin de prendre mon pseudo-radeau, si on peut appeler ça un radeau, et qu'il se fout à faire une tempête. C'est pareil. Il fait aussi beau. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Je vais d'abord aller manger.
J'ai dit que je finissais la journée là. Enfin, la journée. Ce jour-là. Hop. Je suis pas montée respirer. Le loup est toujours auprès de la caisse. Des fois, il y a du varech là, en bordure. Il n'a pas l'air d'en avoir là. On en a un, mais il est profond. Je suis pas sûre. Ouais, on va tenter. Allez, vas-y, tu peux le faire. Évidemment, si tu mets trois plombes, non. Hop, allez, remonte. Allez, 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 quoi qu'on a une caisse là, ça m'embête de la laisser celle-là. Si on contourne un petit peu. On pense à quoi? Le wolf il est là-bas. On peut avoir cette caisse. Qui est une caisse de... deux caisses de soins. Nickel. Rien en soin et là ah, on a une barre de protéines, ce qui n'est pas mal du tout. Alors Wolfinou il est toujours là-haut. On va tenter, on n'est pas assez robuste là enfin pour l'attaquer. On va monter, on va manger, on va se remettre bien et ça sera la fin de l'épisode 7. Donc pour ceux qui me réclamaient depuis un moment un épisode, ça y est, je vous l'ai fait, vous l'avez. Il fait un peu plus de 2 heures. Donc ça y est, vous avez votre épisode. J'espère que vous serez contents. Alors mon feu, j'espère que c'est pas éteint. Je crois que si, je suis partie trop longtemps. Ah yes. Alors, il me faut une allumette. Et assez vite. Qui est là-dedans. Ça, il faut y faire gaffe. Hein. Faites pas la même connerie que moi. Des allumettes, vous n'en avez pas tout le temps. Après, c'est tout un micmac pour faire un truc. Donc, hop. Initiation, c'est là où vous mettez vos allumettes. Vous allumez. Évidemment, vous mettez du carburant, sinon elle va se rééteindre. Donc, on va faire cuire notre lapin. On va bien entendu boire. On va manger des cranberries. On va se manger du varech. Ah, j'ai perdu un... Je pense que c'est le lapin, ça. Non, là, je sais pas. En tout cas, j'ai perdu un truc. Quand on a le frigo, ça sera plus pratique parce que on pourra conserver la nourriture. Ça sert quand même, hein, parce que ça sert à... Pour les engrais, quand vous faites vos jardins après, les plantations. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas. Donc, je vais ranger tout ce que j'avais ici.
Non, 5 barres protéinées, ça peut dépanner. 3. Ça, c'est pour faire des flèches. Hop. Les munitions, pour l'instant, pas vraiment besoin. On verra ça dans le prochain épisode. Là, on a du varech. Notre lapin est en train de cuire. On a deux asticots au cas où. Ils sont passés où, mes asticots? Je viens bien. Ah ben non, ils se sont remis là. Ah, deux asticots. Alors, notre lapin. Ouais, on a perdu un lapin en fait. On va le manger. Et on va bien manger nos deux asticots. Koh-Lanta, c'est nous. Remettre du carburant et on va sauvegarder la fuite. Faudra qu'on se tue encore un animal, mais là c'est la nuit donc non, au moins qu'on arrive à avoir une poupoule en face. On va déjà se prendre de l'eau. Pas de poupoule. Un loup, oui, mais pas de poupoule. Un teddy, un loup, une caisse au milieu des deux. Le truc pour vous appâter, quoi. Mais non, on n'ira pas. On n'ira pas, on n'ira pas. Alors, ici, on va regarder un truc avant. Est-ce que c'est remonté? Au niveau de la masse à 100%, on va peut-être lancer le générateur. Un petit peu. Voilà. Ça permettra de remonter l'électricité. Comme ça, on pourra se faire la masse. On va se mettre l'eau. Voilà, on va se rajouter un peu de carburant. Bien qu'on n'ait pas soif, mais bon. Donc on va sauvegarder F8. Moi qui aime et qui ai des lapins, ça brise le cœur. Bah ouais, je sais. Mais en fait, parce que tu peux te faire, je te dis, un petit cabanon d'élevage. Mais je sais pas si on doit le poser par terre. Ce qui me semble logique. Mais alors là, je vais être coincée parce que moi, j'ai fait ma base sur le lac. Alors, je sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut le mettre, les mettre sur... sur des pilotis, mais qu'est-ce qu'elles vont picorer? Ou alors va falloir faire un. Faudrait que je la mette juste en face là, sur la plage. Ça fait sacrément loin, quoi. Voilà. Ben on aura fait, on aura bien avancé ce coup-ci. L'épisode d'avant, on n'avait pas trop avancé, on galérait pas mal parce qu'il fallait qu'on manquait de nourriture, on manquait de fruits, on trouvait pas de caisse. Enfin bon, c'était le bordel. Et là, par contre, on a bien, bien avancé. On s'est quand même fait... on s'est refait une bonne santé. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais au niveau de la stamina, on est monté d'un niveau. On était à 90, on est monté à 91. Au niveau de la vie, on était à 90, on est passé à 91. Et vous voyez la bande rouge, là, qui est juste en bas, en dessous. Il ne nous manque pas beaucoup pour passer à 92. Ça veut dire qu'on garde... On a un bon système alimentaire.
Donc si on continue comme ça, dans peu de temps, on va passer à 92 et on va avoir la vie de plus en plus en montant comme ça. Donc, bon point pour nous. Donc voilà. Je ne sais pas quand c'est que j'activerai les chasseurs parce que bon, c'est déjà costaud là. J'aimerais bien aussi tester les jaguars. Parce que bon, ils sont beaux à voir, mais ils ont l'air durs à tuer, je sais pas du tout. Pour ça, il faut que j'ai un peu plus de munitions de fusil à pompe, je pense. Quoi d'autre? On s'est quand même fait le groupe électrogène. Prochain coup, il faudra qu'on se fasse l'unité de masse pour avoir un peu plus de masse. Ce qui va peut-être nous permettre de faire l'atelier. Qui nous permettra de nous créer d'autres crafts disponibles qu'on aura avec l'établi et d'améliorer nos armes. Voilà. Et on pourra faire des clés si on trouve ces fameuses caisses en fer sur la map. Parce que là, je reste un petit peu, moi, autour là. Mais la map est très, 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 très grande. Donc, j'ai même pas fait un quart de la map. On n'a pas de boussole, on n'a rien. Seul repère, c'est le rang que vous avez contre la porte là. Quand vous avez posé votre unité de base. Hein. Donc au début, sans l'unité de base, c'est-à-dire le petit carré noir dehors que vous avez vu là, à touche. Au début, faut pas vous éloigner de votre base. Hein. Mais bon, ça, je vous l'ai expliqué dans le tuto. Et je vous l'ai expliqué aussi dans les 6 premiers épisodes qu'on a fait. Donc là, ben, par rapport à l'épisode 6, on a quand même pas mal bien avancé. J'aimerais quand même faire ce jardin parce que pourquoi? Parce que de planter les graines, ça nous permet d'avoir des légumes à volonté chez nous. Voilà. Mais bon, ça pompe de l'énergie, ça pompe de la masse, donc il faut en avoir assez. J'aimerais beaucoup, mais très très vite, me faire le frigo. Parce que tout simplement, le frigo me permettrait de stocker de la nourriture et que j'ai pas besoin de chasser et me concentrer sur le bois et les caisses, par exemple. Alors que là, on le perd assez vite, malgré que bon, on le garde un peu plus longtemps quand on le fait cuire et qu'on le garde dans l'inventaire, on le garde un petit peu plus longtemps. Donc écoutez, je ne sais pas ce qu'on fera dans l'épisode 8, on verra. On verra ça ensemble. Donc bah, écoutez, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour les follow. Donc je vous invite pour ceux de Twitch à aller sur la chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous y verrez les différents jeux que je fais en live, dont Subsistance ici présent, qui est un jeu de survie hardcore, qui est en accès anticipé, qui est créé par une personne toute seule, qui en plus de son travail toute la journée, fait ça à ses heures perdues et il le développe. Tout seul, donc chapeau bas à ce monsieur. Il y a encore des petits bugs, c'est sûr. C'est un accès anticipé, mais franchement, niveau graphisme, il n'y a rien à dire. Il y a deux ou trois petits bugs à corriger, mais ça va se faire. Il fait des mises à jour régulières. Il a un Facebook. Si vous avez un problème, vous pouvez le contacter. Il est vraiment super sympa. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Quoi dire de plus? Vous pouvez le jouer en solo comme en coop. Évidemment, en coop, hein, comme d'habitude, dans tous les jeux, c'est beaucoup plus facile, puisque ben, vous pouvez jouer à 3, 4, hein, 5. Bonne soirée, nuit, je reviens à ton prochain stream. Ben, je vais aller manger, donc d'ici une demi-heure, je suis sur le requin jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Pas très super tard, mais enfin, voilà. Donc ça sera le final, c'est mon moyen à moi de me détendre, Stranded Deep. Donc je vais aller manger ma pizza d'abord. Et puis après, je me remets sur Stranded Deep et puis et j'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui. Donc voilà, donc vous avez la possibilité bah, d'être ou un homme ou une femme. Sur Steam, il tient au courant bah, de toutes des mises à jour qu'il fait. Donc ouais, c'est un jeu qui vaut le coup. Bon, il a encore un accès anticipé, mais bon, c'est un jeu prometteur. Et quand je dis hardcore, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué comme ça. C'est tout simplement parce qu'il est très très dur de survivre. La nourriture, etc., c'est super chaud à faire. Donc je vous avais donné la petite astuce de désactiver la sauvegarde automatique qui se fait dans le jeu. Faites-le parce que
tant que vous serez pas familiarisé avec le jeu, vous n'allez pas arrêter de mourir. Et à chaque fois que vous allez mourir, l'animal qui vous a tué prend un level. Et puis, si vous retuez un deuxième level, il sera niveau 3, vous serez niveau 1. Et si vous retombez dessus, ben, c'est fini, quoi. Donc, là, pour l'instant, on n'est mort qu'une fois. On va essayer de continuer dans cette lignée. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, pour un prochain épisode. Ça sera l'épisode 8 de Subsistance. On essaiera d'avancer un petit peu la base, si on peut, en fonction de... Ben, vous avez vu, hein, de l'énergie et de la masse qu'on a. On essaiera de poser une autre masse et un générateur de masse si on peut. On essaiera de se faire le frigo, on essaiera de se faire la plantation. Mais à chaque fois qu'on utilise, effectivement, si je viens à faire par exemple une unité de masse, tout va retomber à zéro. Donc voilà, il faudra toujours crafter du bois, se chercher à manger. Enfin, ça n'arrête jamais. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver, donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont sur Twitch, là, sur le live, mes épisodes précédents par rapport à ce jeu, avec le tuto explicatif, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à poser vos questions. Je ne suis pas une pro non plus de ce jeu, mais bon, j'ai pas mal discuté avec des personnes, que ce soit aux États-Unis, qui jouent énormément, beaucoup plus qu'en France. Et certains Français qui y jouent. J'ai les connaissances du jeu, mais entre avoir les connaissances et mettre en pratique, c'est un autre monde. Donc voilà. Et donc n'hésitez pas, si vous y jouez, ben, si vous voyez des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas non plus à me donner des conseils. Hein, c'est toujours bon à prendre. Un petit pouce en l'air. Ceux de YouTube, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch de follow, parce que je n'ai pas d'heure, ni d'heure fixe, ni d'heure de jour fixe de live, je vais y arriver, et ça vous permettra de savoir quand c'est que je suis en live. Donc sur YouTube, vous pourrez voir à peu près tous les jeux que je propose, bien qu'il y en ait d'autres qui vont pas tarder à arriver, dont Gone Home, qui est connu mais que je n'ai jamais fait. Donc je compte le commencer. Je dois continuer le Life is Strange Before the Storm, je dois continuer Silence. Il y en a d'autres qui sont derrière aussi, donc voilà. Et comme beaucoup, vous êtes différentes communautés de jeux que je touche, vous me demandez bah, quand c'est que tu fais du Subsistance, quand c'est que tu fais du Stand and Deep, quand c'est que tu es sur les Sims, quand c'est que tu fais Silence. Enfin bon, voilà, je ne peux pas jouer à tout tous les jours, c'est pas possible. Donc en tout cas, merci, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch pour savoir quand c'est que je suis en live. Et n'oubliez pas de follow, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, de me donner vos astuces, vos idées, ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci à tous pour votre fidélité. Et je vous dis à tout à l'heure pour une fin de journée sur Stranded Deep. Bye bye.